suite. Grand journal. Bonne fin de week-end à tous et à toutes et bienvenue dans ces mags d'information. Les titres de la première partie, forte mobilisation à Kinshasa samedi dernier, précisément au stade Tata Raphaël pour le meeting organisé par le Front commun pour le Congo. Cette plateforme électorale a présenté à la population kinoise Emmanuel Ramazani Shadary comme son candidat à la prochaine présidentielle prévue le 23 décembre prochain. Les analyses sont donc à suivre avec notre invité. Et voilà donc, Kinshasa était mobilisé samedi dernier au stade Tata Raphaël à l'occasion du meeting organisé par le Front commun pour le Congo FCC. L'occasion pour cette plateforme électorale instaurée par Joseph Kabila, président de la République, de présenter son candidat à la prochaine présidentielle prévue le 23 décembre prochain. Il s'agit d'Emmanuel Ramazani Shadary. On fait le point dans ces images. Tous pour le Congo. C'est en ces quelques mots que se résume l'option prise par le Front commun pour le Congo de servir les intérêts de la nation. Ces grands regroupements politiques dont les membres sont animés par la passion de la République démocratique du Congo et l'amour de la patrie s'étaient rassemblés autour de leur autorité morale, le président de la République Joseph Kabila Kabange, pour se choisir leur candidat commun à l'élection du 23 décembre 2018 à la personne de l'honorable Emmanuel Ramazani Shadary. C'est dans un stade Tata Raphaël, plein comme un œuf, que le candidat du FCC a été présenté officiellement ce samedi 27 octobre 2018. Tout a commencé par une courte prière. Le pasteur Mugalo, qui a rendu grâce à Dieu pour la tenue de cet événement, a souligné que la prophétie de Simon Kimbangu va se concrétiser en RDC. Le quatrième président de la République cédera en toute démocratie le fauteuil au cinquième président de la République. Le FCC accorde une place de choix à la femme congolaise. C'est à ce titre que l'honorable Geneviève Inagossi a été conviée à remercier toutes les mamans venues de différentes contrées du pays pour assister à la cérémonie. Le coordonnateur du comité stratégique du Front commun pour le Congo, le professeur Némi Mouilanya Wilondia, a vivement remercié les masses des populations qui ont inondé les gradins, l'air de jeu et les alentours du stade Tata Raphaël pour assister à la présentation du candidat du FCC à la présidentielle du 23 décembre 2018. Il s'agit du soutien au leadership du chef de l'État Joseph Kabila Kabange qui a pacifié, unifié et instauré la démocratie en RDC, a renchéri Némi Mouilanya Wilondia. C'était ensuite au tour de l'honorable Aubin Minaku, secrétaire général de la majorité présidentielle, de présenter les différentes plateformes du Front commun pour le Congo, à savoir APECO du Premier ministre Bruno Tshibala, G18 de l'honorable José Makila, les Républicains indépendants avec en tête le ministre Bongongo, la majorité présidentielle et la société civile. C'est le Premier ministre Bruno Tshibala qui a présenté le candidat du FCC, dauphin du chef de l'État, Emmanuel Ramazani Shadary, sous les ovations frénétiques. Ce dernier a, dans son mot de circonstance, rendu d'entrée de jeu, grâce à Dieu, maître des temps et des circonstances, ses remerciements sont allés droit à l'endroit des Kinoises et Kinois qui ont rempli l'intérieur et l'extérieur du stade. Nous ne sommes pas en campagne électorale, il s'est agi ce jour de la présentation du candidat du FCC à la population kinoise et à celle de la RDC en général, a-t-il souligné. Merci à celui qui nous dirige,
qui conduit avec sagesse la RDC à ses meilleures destinées, le président Joseph Kabila Kabange a renchéri Ramazani Shadary. Le candidat du FCC a convié la population à les soutenir massivement au vote du 23 décembre. Quant au projet des sociétés du FCC, il sera présenté prochainement, a indiqué l'honorable Shadary. La cérémonie grandiose s'est terminée en toute sérénité. Et pour sa part, dans son mot, Emmanuel Ramazani Shadary a invité toute la population à faire confiance à la machine à voter tout en promettant de présenter dès le mois prochain son programme de gouvernance ainsi que son équipe des campagnes. Pendant ce temps, les associations de jeunes de la majorité présidentielle en ont profité pour se réunir à Kolwezi afin de réitérer leur soutien inconditionnel aux candidats de l'FCC. On fait le point dans cet élément des reportages. Initiative de jeunes Congolais pour les soutiens d'Emmanuel Ramazani Shadary, R3M Soudition, Je suis jeune, je soutiens mon gouverneur, la Fondation Amadi. Toutes les associations des jeunes se sont mobilisées ce 27 octobre dans l'objectif de réitérer leur soutien conditionnel au candidat du Front commun pour le Congo, Emmanuel Ramazani Shadary, pour la prochaine présidentielle. Celui-ci a été présenté au cours du meeting tenu par sa plateforme électorale au Stade Tata Raphaël de la capitale de la République démocratique du Congo. Finalement, c'est au travers d'une déclaration verbale que tous ces regroupements des jeunes vont se prononcer. Jean Katunga Mwamba est à la tête de cette nouvelle force. Nous, jeunes de la province du Lualaba, réunis dans l'association Fondation Amani, R3M, Je suis jeune, IGCOS, acceptons aujourd'hui avec la pleine volonté et aussi la passion et l'amour d'accompagner les élections. Et en soutenant, bien sûr, le candidat du FCC, Emmanuel Ramazani Shadary. Aujourd'hui, au moment où Kinshasa, bien sûr, avec le FCC, s'est réuni au stade Tafta Raphaël, nous aussi, avec toute la communauté des jeunes du Lualaba, s'est réunis ici pour pouvoir marquer notre adhésion et aussi notre soutien pour ce qui doit être fait le 23 décembre 2018. Nous soutenons les élections avec la machine à voter. Nous appelons tous les jeunes de toute la RDC d'emboîter le pas des jeunes de la province du Lualaba pour le développement et la vision du Congo de demain, selon le président Joseph Kabila Kabange. Nous vous remercions. D'ores et déjà, la jeunesse lualabaise s'aligne pour le soutien d'Emmanuel Ramazani Shadary, dauphin du président Joseph Kabila Kabange. Et voilà à présent, place à notre page plutôt hebdomadaire. C'est tout de suite. Et voilà, lundi dernier, il y avait plutôt un point de presse tenu dans la grande salle Manica. À l'occasion, la Fondation Raison d'y croire qui a au fait conduit plusieurs finalistes de la province du Lualaba à Chypre pour la continuité de leurs études universitaires, a fait une restitution auprès de parents et de la population locale. C'est une cérémonie de restitution et de gratitude qu'a organisée ce lundi 22 octobre la Fondation Raison d'y croire en rapport avec les boursiers du Lualaba qui sont allés en Chypre pour suivre leurs études supérieures. Dans une salle de plénière de l'Assemblée provinciale du Lualaba, remplie par les élèves des différentes écoles de Kolwezi, des personnalités politiques et scolaires, ainsi que d'autres invités de marque, dont les parents des boursiers, les organisateurs ont donné le corps de cette activité, en premier le représentant de la Fondation. Nous vous remercions pour la réalisation de cette édition spéciale de la célébration NASU Diplôme dans la province de Lualaba qui a eu lieu le 10 août dernier en vue de promouvoir l'éducation scolaire de nos enfants tout en récompensant les meilleurs lauréats avec des bourses d'études locales et internationales, des formations et des stages professionnels. Un parent qui était du voyage a témoigné en ces termes. Au nom des parents, nous ne pouvons que remercier Papa Solution pour tout ce qu'il a fait, pour son soutien et pour sa pensée pour le développement du Lualaba. Le ministre provincial de l'Intérieur
représentant le gouverneur de province, a loué l'initiative qui place haut la province du Lualaba. Pour vous les jeunes, je crois qu'il n'y a pas un sans deux. Vous venez de voir vos amis qui viennent de traverser les océans pour aller étudier loin de Lualaba. Et sachez bien que nous avons la solution au Lualaba, c'est au ministre Manguel Mas. Quel point pour dire. Une projection relative au parcours de boursiers allant du Lualaba jusqu'à leur arrivée en Chypre a été proposée afin de rendre crédible cette action. Passons à présent au mardi dernier avec le séjour du ministre provincial de l'énergie, Alexandre Ngoï Kawaya, en Zambie, au fait pour la collaboration de projets énergétiques au bénéfice de la province. C'est au cours de cette réunion technique que le directeur général de China Civil Engineering Corporation, basé en Zambie, a de manière détaillée présenté son entreprise et ses réalisations à travers toute l'Afrique au ministre de l'Énergie, Hydrocarbures, Transports et Voies de Communication du Lualaba, Alexandre Ngoï Kawaya. Après avoir suivi avec intérêt les explications lui fournies par le directeur Deng Joye, le ministre dit être favorable à ces projets. Les résultats de ces déplacements ne doit pas être négatif. Nous voulons rentrer de cette mission avec de l'eau. On est passé de 300 000 qu'on était à 800 000. Les installations existantes de production d'eau sont devenues très petites et la production d'eau à ce jour insuffisante. D'où la nécessité de répondre en urgence à ces besoins d'eau. Tout de suite après, Alexandre Ngoï Kawaya s'est rendu à Kafoué, cité localisée à plus ou moins 60 km de Lusaka, où s'exécutent les projets d'approvisionnement en eau de la rivière portant le même nom. Une fois terminé, ce projet aura une capacité d'alimentation de 50 000 m3 le jour, une production qui peut couvrir le besoin de toute la ville de Kolwezi. Le ministre apprécie le travail qui est fait. 60 km de Lusaka. Nous sommes venus visiter une usine en construction pour la production de l'eau. Cette usine va produire 50 000 m3 par jour, pratiquement la consommation totale de la ville de Kolwezi. Nous voulons voir s'il y a la possibilité de transposer cette usine également à Kolwezi et à côté du fleuve Lualaba. Nous allons examiner avec les Chinois qui sont prêts à financer ce projet chez nous, puisque tout le monde sait que la ville de Kolwezi a un problème de distribution, de production et de distribution d'eau. C'est une usine qui a été commencée, qu'on a construite à partir de 2016. Et au mois d'avril de l'année prochaine, l'usine va être opérationnelle. Nous allons rentrer à Kolwezi, exposer le projet auprès du gouverneur en conseil de ministres. Si le projet est accepté, nous allons, avec nos amis chinois qui veulent financer ce projet et le construire. Ces projets extraient l'eau brute des Kafoué par station pompage sous un système de captage et d'épuration. Après la flocculation, la sémentation, la filtration, la désinfection et le dosage, l'eau sera injectée dans les circuits de distribution. Ce projet est très attendu par la population de la ville de Kolwezi car il pourra améliorer la desserte en eau potable. Le jour suivant, Adine Tamboué Anaouezi, ministre provincial de la Jeunesse, était visité les débuts des travaux dans la concession de jeunes de la province du Lualaba, bien sûr. Et selon les constats, tout va bon train. On fait le point.
24 heures après sa descente effectuée avec l'entrepreneur sur le site où sera construit le centre des jeunes du Lualaba, ce mercredi 24 octobre, l'heure est au débroussaillement du terrain, question de les préparer à recevoir la bâtisse. Une satisfaction pour le patron de la jeunesse, sport et loisirs. Adin Tambouana Ouézi décrit différentes structures architecturales qui composeront ces complexes. Aujourd'hui, on vient de commencer les travaux et nous espérons évoluer comme il se doit pour atteindre l'objectif, pour avoir un centre où on va commencer à former les jeunes. On commencera bien sûr par la première partie qui prendra la salle polyvalente, la salle de réunion, quatre bureaux et les sanitaires. Mais on doit extendre le tout pour arriver à la formation mécanique, chaudronnerie, maçonnerie. Vous voyez, dans la jeunesse, nous parlons trop de chômage. Nous nous plaignons du fait que dans les entreprises minières qui nous entourent, il y a beaucoup d'Indiens, Péruviens, Zambiens. Donc il y a des gens qui ne sont pas congolais qui viennent pour travailler, même dans les moindres travails. Donc tout ce qui touche même la main d'œuvre normale. Alors, pour éviter cela, le ministère de la Jeunesse, bien sûr, sur instruction du gouverneur de province Richard Mouyej, va construire un centre des jeunes où il y aura la formation de plusieurs filières. Il s'est dénoté que le ministre de la Jeunesse a demandé au service cadastraux d'initier un cadre de concertation qui mettra ensemble les différents occupants du site pour envisager une délocalisation en toute quiétude. À présent, jeudi dernier, le maire de la ville de Kolwezi était reçu en audience dans le cabinet du président du Perchoir. L'occasion pour l'autorité urbaine de donner plus de détails sur l'affaire fuite ou départ de la caisse d'épargne Salama, fait qui avait engendré une désolation dans la population de la province. Le président du Parlement de notre Parlement, c'est un notable de cette province et chaque fois qu'il nous invite pour une information, nous avons le devoir de venir. Et il nous a invités par rapport à une situation qui se passe dans la ville qui l'inquiète. Il a voulu avoir d'amples informations quant à ce. Et nous avions donné ce que nous avions comme information et nous avons rajouté d'autres sur les documents qui nous arrivent. Et je crois que tel est le président de l'Assemblée provinciale, qui est la première institution dans cette province, et c'est son droit de s'inquiéter quand il y a des situations qui se passent dans la province ou bien dans la ville. Il s'agit d'un dossier d'une maison de ristourne qui aurait escroqué, et je pèse bien mes mots, et qui les aurait escroqués depuis le mois de ce mois-ci, depuis la date du 11 octobre. Les clients qui étaient abonnés dans cette maison n'ont plus de nouvelles de tout cela qui était à la tête de cette maison, de cette agence de ristourne ou je sais quoi là. Alors le président nous a invités pour qu'on lui donne d'amples informations quant à ça. Et on leur avait demandé de porter plainte, ils ont porté plainte contre cette maison-là, et j'espère avec le temps il y aura une solution juridique. Mais quant à nous, en tant que responsables de la ville, nous sommes en train de rechercher tout ce monde-là, et j'espère qu'avec l'aide des dieux et tous ceux-là qui le connaissent, on mettra la main dessus et ils auront à répondre de tout leur forfait. Comme prévu, l'opposition politique a bel et bien tenu sa marche à Kinshasa vendredi 26 octobre dernier. L'objectif était de dire non à l'usage de la machine à voter aux prochaines élections. Le 27 octobre aura vécu un samedi historique pour le Front commun pour le Congo FCC qui a signé sa sortie officielle. En même temps que son candidat à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018, Emmanuel Ramazani Shadary, a été présenté officiellement au public. Et ce public, il était nombreux et multicolore. L'ancienne majorité présidentielle avait en tête
le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD, l'Alliance des Forces Démocratiques du Congo AFDC, la Convention des Congolais Unis et leurs alliés, personne n'a voulu manquer ce grand jour. Le Parti Lumumbiste Unifié, PALU, dont le secrétaire permanent a réaffirmé la volonté d'union des forces de gauche, était bien visible. À ceci, il faut ajouter ce qui était hier dans l'opposition, l'exemple de l'UDPS Tshibala, qui ont rejoint le Front des Nationalistes, comme il s'appelle. De l'intérieur comme de l'extérieur du monde, il y en a eu. L'affluence était telle qu'à l'extérieur et les environs du stade Tata Raphaël, les cardiaques devaient s'abstenir. La Croix-Rouge a eu du boulot, mais la sérénité a régné sur l'ensemble de la rencontre. Quelques hauts cadres du FCC se sont exprimés. Et il est important que tous les patriotes congolais, quelle que soit leur chapelle politique ou philosophique, ont intérêt à s'unir si nous voulons sauver la République démocratique du Congo. L'heure n'est plus à des conflits entre les différentes philosophies politiques. L'heure est à la défense de l'existence d'un pays que nos ancêtres nous ont légué. C'est la preuve par neuf que le peuple est du côté de la majorité du Front commun pour le Congo. Un message fort à l'endroit de la communauté tant nationale qu'internationale que le FCC, avec le chef de l'État Joseph Kabila Kabange en tête, nous sommes déterminés d'aller aux élections. La marche des opposants annoncée pour ce vendredi 26 octobre a tenu bon selon les souhaits des organisateurs. Une forte mobilisation des Kinois a vécu partant de l'échangeur boulevard Triomphal. Le mobile de cette énième sortie de l'opposition sur les rues de Kinshasa portait la mise à l'écart de la machine à voter à l'élection du 23 décembre, le nettoyage du fichier électoral pour écarter les personnes enrôlées sans empreinte digitale, l'accès égal aux médias publics, opposition majorité. Cette activité, menée par l'UNC, MLC, ensemble et d'autres courants politiques de l'opposition, s'est soldée avec succès, selon les sources sur place à Kinshasa. Par contre, l'UDPS de Félix Tshisekedi était absente. Le drapeau de ce parti de l'IMETE n'était pas visible sur les images publiées sur les réseaux sociaux. D'autres sources ont même indiqué que les manifestants ont dénoncé la trahison de l'opposition par l'UDPS, ce qui donne combat de katumbistes, bembistes, caméristes contre les tshisekedistes, signalant que cette marche s'inscrit dans l'ordre des démonstrations de force de l'opposition au FCC, qui, lui aussi, sera demain au stade Tata Raphaël pour présenter son candidat Emmanuel Ramazani Shadari. Réponse du berger à la bergère. Nous sommes venus pour sauver le pays parce que l'élection, l'élection présidentielle, l'élection des députés doit se faire régulièrement. Le rôle de la CENI, c'est de veiller aux règles, au respect des règles constitutionnelles, légales et réglementaires. Or, la CENI a introduit en cours de route un mode de vote qui n'était pas prévu par son calendrier et qui est interdit par la loi. Ce faisant, la CENI est en train d'amener le pays dans le chaos. Pourquoi ? Parce que vous voulez irrégulièrement imposer un président de la République. Or, la Cour constitutionnelle a déjà dit que c'est un droit fondamental pour le peuple congolais de se faire diriger par un président régulièrement élu conformément aux dispositions de l'article 5. Et donc, nous, dirigeants politiques, nous, candidats président de la République, chefs de regroupement politique, chefs des partis politiques, nous avons sauvé le pays en venant dire à la CENI, vous retirez la machine à voter, vous retirez les irréguliers du fichier électoral et vous faites aussi beaucoup d'autres choses que nous demandons dans les mémos pour que les élections se tiennent dans la paix, les élections se tiennent dans la crédibilité, dans la transparence et que nous ayons in fine un président régulièrement élu. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est l'heure à présent de l'altercation d'actualité. À rester branchés. Dans l'altercation d'actualité, je reçois monsieur Roméo Ntamboué, qui est un jeune entrepreneur dans la ville de Kolwezi, pourquoi pas dans la province du Lualaba, mais également jeune politique à qui je souhaite la bienvenue. Merci, bonsoir Chris.
Merci beaucoup. Alors aujourd'hui avec vous, on va débattre sur trois thématiques. Premièrement, c'est la marche de l'opposition tenue le 26 octobre dernier à Kinshasa. L'objectif était au fait de dire non à l'usage de la machine à voter. Comment avez-vous trouvé l'objectif de l'opposition politique congolaise? Je trouve que cet objectif qui ne cadre pas tellement avec les attentes de la population, parce que la population veut les élections. La population veut qu'il y ait un changement, qu'il y ait une évolution. Alors, je trouvais que ce n'était pas opportun. Et vous l'avez constaté, cette marche n'a pas été vraiment si grandiose sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo comme prévu. Peut-être parce que dans certaines villes, on a plutôt d'autres marches ont été restreintes, en fait. Bon, peut-être dans ces cas-là. Peut-être, mais ça aurait dû se savoir. Il y aurait eu des signaux d'alarme pour dénoncer cela. Okay. Mais je pense, quand on voit par exemple ici dans la province du Lualaba, il n'y a eu aucune restriction. C'était ouvert, mais c'est la population qui n'a pas voulu. Mais il y avait quand même des éléments des forces de l'ordre signalés dans plusieurs coins de la ville. Pour encadrer la manifestation. Bon, voilà, on dit ceci. Non à la machine à voter aux prochaines élections, en RDC. Est-ce qu'aujourd'hui la CENI peut parvenir à aller dans la même logique avec l'opposition congolaise? Le pensez-vous? Je ne pense pas que ça puisse être possible, vu que déjà il y a des fonds qui ont été déboursés, il y a des dispositions logistiques qui ont été prises par rapport à la machine à voter, par rapport au processus en cours. Dire non d'emblée, ça va être compliqué et ça sera difficile à tenir. Alors, que pensez-vous par rapport à cette opposition qui tient, en fait, qui campe toujours à sa position pour les prochaines élections? Est-ce qu'ira-t-elle ou non? Moi, je pense que l'opposition, pour l'intérêt de la population, devrait s'y ranger plutôt dans les processus qui est en cours, c'est-à-dire aller carrément aux élections. Même avec la machine à voter? Oui, même avec la machine à voter. D'où toute l'opposition doit rejoindre l'UDPS? À mon avis, je pense que l'opposition doit rejoindre l'UDPS dans l'intérêt de la population. Alors, pendant qu'on y est, comment vous trouvez la position de l'UDPS aujourd'hui? À 2 mois seulement du scrutin, l'UDPS se détache de la décision des autres ténors de l'opposition. Bon, justement, c'est quand vous commencez à trouver que tout ce que vous faisiez avant n'a pas un avenir. Vous sentez que vous vous écartiez de l'objectif du parti politique, qui est de protéger la population, qui est de voir où est l'intérêt du pays. Et là, on a le droit quand même de revenir à la raison et de prendre conscience. Alors, un jour après, le Front commun pour le Congo FCC a également programmé en fait un meeting au stade Tata Raphaël. Là, on se retrouve dans la capitale Kinshasa. Et il était question pour cette plateforme électorale instaurée par le président Joseph Kabila de présenter son candidat à la prochaine présidentielle. Votre analyse? Oui, le FCC qui a présenté son candidat, nous l'avons tous vu qu'ils étaient tous derrière lui, je dis, de tous les cadres du FCC, de tous les partisans du FCC, ils ont répondu tous présents et avec une grande foule derrière eux. Et c'est de là où moi je dis que la population veut aller aux élections, parce que quand on voit les images de deux événements, on essaie de les comparer. On se rend compte que la population est beaucoup plus pour les élections que pour autre chose. Ah, donc vous pensez que, en fait, l'opinion était beaucoup plus penchée du côté FCC que du côté opposition. Mais est-ce qu'on peut juger l'électorat, en fait, par rapport à la masse populaire? Pas totalement, monsieur Chris. Parce que là, on doit entrer en profondeur. Oui, parce que vous avez relevé l'aspect population, opinion et autres. Justement, c'est un des aspects dont on tient compte. C'est par exemple quand on voit en Europe, il y a des sondages, même si je n'ai pas des sondages. Donc c'est l'un des aspects dont il faut tenir compte. À en juger par cet aspect-là, on peut se dire oui, la population est pro-majorité, elle est pro-FCC et pro les élections. Mais dans le fond, on va voir ce sont les projets des sociétés qui vont départager. Alors donc, c'est en fait les résultats des urnes qui vont départager en fait le décan d'ici 23 décembre 2018. Alors pendant qu'on y est, quand vous venez de soulever le programme, plutôt
l'aspect projet de société, il y a le candidat des FCC, Emmanuel Ramazani Chadari, qui a promis à toute l'opinion de présenter son programme de gouvernance, au fait, dès le mois prochain. Alors, on se pose la question, on s'attend à quoi en voyant le profil du candidat? Difficile à dire, difficile à dire vraiment. Je pense que ça sera un programme qui sera beaucoup plus basé dans le social, parce que je me réfère à celui qu'il a choisi comme dauphin, vu qu'il est déjà dans une lancée d'un programme beaucoup plus axé sur le social. Et je pense que Ramazani Chadari va nous présenter un programme qui sera beaucoup plus axé sur le social. Et là, je crois que quand vous parlez du programme du président Joseph Kabila, vous faites allusion à la révolution de la modernité. Mais quand vous allez dans le fond de la révolution de la modernité, on retrouve beaucoup plus l'aspect infrastructurel. Et ce qui ne donne pas beaucoup plus de coups de pouce à ce qui est de par exemple, de fait quotidien de la population. Et on voit dans ces cas-là les deux secteurs énergétiques, mais également alimentaires ou agricoles. Justement, le programme qui prend l'aspect infrastructurel est très important dans le fait que le social, pour que nous puissions pressentir le changement, il faut qu'on ait des infrastructures qui nous permettent à ce que, premièrement, le manger soit facile. Okay. Parce que c'est la première des choses pour qu'on sente le changement. Moi, j'ai été dernièrement à l'intérieur de la province où il y a des gens qui cultivent des étendues et des étendues. Il y a des gens où ils ont des grandes quantités stockées des poissons, mais qui ne savent pas acheminer jusqu'ici, par exemple. Alors, si les infrastructures sont améliorées, si on révolutionne dans l'infrastructure, vous verrez que directement le social va être bougé et nous allons chanter les changements. Alors, est-ce que ça sera une continuité pour Emmanuel Chadari du projet de la révolution de la modernité? Je ne pourrais pas trop dire le du projet révolution de la modernité. Mais moi, je pense que Emmanuel Chadari va nous proposer un autre projet, pas avec des visions à très long terme, mais un projet avec des solutions qu'on saura palper dans 2 ans, 3 ans, par exemple. Voilà, qu'on saura palper dans 2 ans ou 3 ans. Merci beaucoup, Monsieur Roméo Tamboué. Merci. Et voilà, mesdames et messieurs, merci à vous, au fait, d'être branchés sur nos antennes. À présent, nous prenons le dossier de la semaine qui nous parle, au fait, de la revue à la hausse de prix de la farine de maïs, fait et qui a touché directement le panier de la ménagère. Et sur ce, le ministre provincial de l'économie, Clément Mufundi, a intervenu sur nos antennes. Suivez. Sur orbite, le prix de la farine de maïs au Lualaba prend une allure inquiétante. Presque la majorité des provinces issues de l'espace Grand Katanga subissent à plein fouet l'impact de cette crise des denrées de première nécessité. Sur le marché à Kolwezi, un sac de farine coûterait aujourd'hui 25 000 francs congolais, équivalent à 10,9 dollars américains depuis mi-septembre dernier. Une énième flambée de prix de cette denrée de base enregistré après celle de 2016. Un prix 3 fois cher que celui d'il y a 5 ans. Sur les terrains, les commerçants tentent du moins de s'habituer au rythme. Généralement c'est ceux qui sont là-bas qui m'envoient, mais ce n'est pas la réalité qui sont là-bas. Ce qui est là, c'est on achète en compte dès qu'on a une quantité normale pendant 3 mois. La première fois qu'on a acheté au Médiaté, c'était à 13 dollars, donc 13,5 dollars, déjà comme ça. C'est par là qu'on a aussi dit non comme ça, ici on peut mettre en 20, en 25 ou 23. Au cœur de cette économie instable, la population se trouve être la principale victime. Dans les chefs du gouvernement provincial, aucune action palliative n'a été enregistrée contrairement à la précédente crise. Pas loin qu'il y a quelques heures, le ministre provincial de l'économie a réagi sur nos antennes, annonçant l'éventuel accompagnement des agriculteurs locaux afin de susciter l'autosuffisance alimentaire. Pourtant, dans les plans triennales, il a été dit bondir sur le mine pour développer les secteurs agricoles. Concernant les ripostes, il y a 2 ans, les autorités avaient déclenché des campagnes agricoles visant à appuyer les secteurs
en intrant. Mais depuis le début de l'année 2018, l'initiative n'a pas fait mouche dans l'opinion. Cette situation a entraîné dans son dos le prix des autres aliments de base, à majorité importés directement de la Zambie, frontalière de la République démocratique du Congo. La Zambie a constaté que, à cette période, il fallait faire l'évaluation du stock qu'elle possède. Et elle a commencé d'abord par diminuer la sortie. Ce qui fait qu'au niveau de la Zambie, au niveau de la Somalesa, l'Afrique ne sort pas au rythme comme dans le temps. Et alors ça crée à l'intérieur une rareté. Quand l'offre diminue et la demande croît, alors les prix aussi augmentent. Alors je suis content puisque il y a cela qu'une semaine, on était déjà à 27, 28, vers 30 000. Mais je suis content lorsque nous avons fait l'inspection de vous. Il y a le sac de farine de 25 kg qu'on va mettre à 23 000. Quelque part, on parle de 20, je pense que c'est quand même une baisse. Mais ce qui est important est que nous n'allons pas nous contenter, nous n'allons pas seulement dépendre, hein, être extravertis, donc dépendre de l'extérieur. Nous devons aussi, à partir de des signaux qui doivent être, qui ne trompent pas, qui montrent que nous dépendons de certaines personnes, nous dépendons d'un certain pays. Alors nous aussi, nous devons fournir beaucoup d'efforts. Comme le gouvernement provincial est en train de le faire, vous l'avez vu, c'est maintenant, nous sommes à la troisième année où nous avons distribué les engrais pour qu'on essaie d'accroître la production à l'intérieur. Mais cette fois-ci, on a changé de méthode pour maintenant subventionner l'agriculture. Le gouvernement provincial a pris des contacts avec la banque qu'on appelle Afriland. Alors là, on va commencer à accorder des crédits aux agriculteurs potentiels. Et ces agriculteurs, le remboursement se fera à moitié prix. Le gouvernement va prendre le 50% et les 50% au requérant. Alors, c'est que je pense qu'à ces rythmes, nous pouvons cette fois-là prétendre que d'ici 5 ans, on peut atteindre non pas seulement l'autosuffisance interne, on peut arriver même à exporter plus tard. Et voilà, c'est la fin de ces mags d'informations. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout, bon début de la semaine à tous et à toutes sur nos antennes. Au revoir.